nage. Chaque jour est une quête. Les mots glissent se défendre face au danger qui guette. Un petit bout d'or au fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tu vois quelque chose, Mowgli? Non, toujours rien à chasser aujourd'hui, Bala. Oh ah, en fait, c'est nous. Cours! Que se passera-t-il si les buffles ne reviennent pas, Akela? C'est toute la nourriture qu'il nous reste. Les troupeaux de buffles reviennent toujours, Lali. Et nous survivrons tant que notre garde-manger demeurera secret. Mais souvenez-vous, personne n'est autorisé à prendre de la nourriture sans ma permission. Enfin, un repas. Même si à vous deux, vous avez à peine assez de viande pour satisfaire ma faim. Ah, la gueule ! Laisse-les tranquilles. Tu vas me lâcher, espèce de sac à puce enragé. Tu paieras pour ta traîtrise. Je te conseille de rester avec tes amis, car je prendrai ma revanche, chacal. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Tabaki, nous t'offrons notre protection aussi longtemps que ce sera nécessaire. Tu t'es comporté en véritable héros afin de sauver Mowgli et Bala. C'est vraiment le moins que l'on puisse faire. C'est vrai. Quel courage, Tabaki. Tu es le héros du jour, n'est-ce pas, Mowgli? Hein? Mowgli? T'y crois, toi, Bala? Moi, non. Tabaki est un froussard et il passe son temps à mentir. Il faut absolument qu'on le surveille, Bala. Voilà, tu vois que tu peux y arriver quand tu veux. Recommence, et cette fois-ci, essaie de te défendre. Non, attends, et si je m'enfuyais à la place? Je suis douée pour ça, pas la peine de m'apprendre. Tu dois savoir te défendre, Tabaki. Shere Khan ne te fera pas de cadeau. Je n'arrive pas à les entendre, Bala. Faut qu'on se rapproche d'eux. Tu sais quoi? Vous, les loups, vous me fascinez. C'est vrai, votre meute se porte bien, même quand les temps sont durs. Comme maintenant, avec le départ des buffles. Je me demande comment vous parvenez à survivre. C'est un mystère. Ah non, en réalité, c'est tout bête. Nous stockons la nourriture. Et maintenant, tu les entends, Bala? Pourquoi vous êtes cachés dans ce buisson? Comme ça, pour rien. On était en train de cueillir des fruits. Je ne vois aucun fruit. Je sais bien ce que tu fais, Mowgli. Tu es en train de nous espionner. Ou plutôt de m'espionner. Pourquoi faire? Il vous a sauvé la vie quand même. Et c'est comme ça que vous le remerciez, en espionnant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Rien du tout. C'est juste que Mowgli a l'air de se méfier de moi. Mais je ne peux pas lui donner tort. C'est vrai, je sais que je vais devoir gagner votre confiance. Et ça compte pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais me porter volontaire pour prendre le premier tour de garde. Ah, oh, tu parles avec sagesse, Tabaki. Alors qu'il en soit ainsi. Ah, et qui va là? Non, je veux dire... Halte! Êtes-vous ennemi ou pas? Non. Êtes-vous un ami ou un ennemi? Chut! Est-ce que tu as découvert quelque chose? Qu'est-ce que c'était que ce bruit?
Et si c'était Mowgli? Je sais qu'il soupçonne quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais te mettre à courir, chacal. Je vous dis que je les ai vus ensemble. Tabaki et Shere Khan sont en train de mijoter quelque chose. Comment tu le sais? C'est Shere Khan. Il a failli m'attraper. J'étais partie faire ma ronde, j'ai entendu quelque chose. Je suis allée voir Ne t'inquiète pas, tout va bien, Tabaki. Tu es en sécurité maintenant. J'ai essayé de le mettre en fuite, mais je suis désolée, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas ce que j'ai vu, moi. Mowgli, c'est la deuxième fois que Tabaki nous sauve de Shere Khan. Après tous tes efforts, tu as bien mérité un peu de repos. C'est moi qui monterai la garde jusqu'à l'aube. Je sais ce que j'ai vu tout à l'heure. Tabaki et Shere Khan ont un plan, j'en suis sûr et certain. Mais lequel? Chut, suis-moi. Tabaki? Mais où es-tu passé? Tabaki! Tabaki! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Désolée, Lali, c'est juste que... je cherche de la nourriture parce que je meurs de faim. Ça fait des jours que j'ai le ventre vide. Peut-être même des semaines. Oh, mon pauvre petit Tabaki. Attends, je vais t'aider. Suis-moi, je vais t'emmener au garde-manger. Mais il faut que je demande d'abord la permission à Akela. J'en ai pas pour longtemps. C'est trop tard. Le temps que tu reviennes, je serai sûrement mort de faim. Non, je vais t'y emmener tout de suite. Merci beaucoup, ma chère Lali. Tu es tellement naïve. Je veux dire gentille. On va bientôt arriver. On y est presque. Attendez, Tabaki, ça suffit, arrête de lui mentir. Écoute-nous, il te prend pour une idiote, Lali. Non, ne les écoute pas, ils te mentent. Jamais je ne ferai une chose pareille, pas à toi, ma chère Lali. Lali, il faut me croire, je suis vraiment en train de mourir de faim. Pitié, il faut que je mange. Exactement, c'est pour ça que tu complotais avec Shere Khan, pour trouver notre garde-manger. Est-ce que c'est la vérité, Tabaki? Recule! Laisse Tabaki tranquille! C'est pas moi qui ai besoin d'aide maintenant. Restez où vous êtes, si vous ne voulez pas qu'il arrive malheur à votre petite sœur. Tu sais ce qu'il te reste à faire, chacal. Tu n'as pas intérêt à faire du mal à Lali, Shere Khan. Sinon quoi, petit homme? Non, il n'y a plus rien. La réserve de viande, elle est vide. Grâce à moi, j'ai réussi à comprendre ce que tu voulais, Shere Khan. Il n'y a qu'une seule chose qui peut t'intéresser chez nous, les loups, c'est la nourriture. Dis-moi où elle se trouve. Erreur à sonner, petit homme. Pas encore, parce que mes amis sont arrivés, Shere Khan, regarde. Tu ne perds rien pour attendre, petit homme.
Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous félicite, Mowgli et Bala. Vous avez sauvé votre petite sœur, ainsi que notre réserve de nourriture. Oh, je me sens tellement bête. Mais non, tu as un bon fond. C'est pourquoi tu ne t'es pas assez méfié des ruses de ce chacal, Lali. C'est vrai, ça. Tout est de la faute de Tabaki. J'espère que vous vous souvenez où vous avez caché notre nourriture, tous les deux. Oui, suivez-moi.